En des temps où la vie n'était pas que bonheur, c'est-à-dire en des temps que l'on connaît encore, y vivait une fille au charme de la fleur, à la fraîcheur de l'aube qui venait d'éclore, se tenant près du pré, si prête à se prêter à des jeux auxquels nul n'aurait osé songer. En ces temps agricoles, elle n'avait qu'une idée, que celui qui s'y colle vienne la gricoler. En des temps où la vie connaissait le malheur, c'est-à-dire en des temps que l'on ignore encore, y vivait une fille à la franche pâleur, au teint si terne que l'on devinait son sort. Attenante au grand immeuble gris bétonné, elle échangeait son corps contre un peu de monnaie. En ces temps d'industrie, elle était épuisée de s'être sans répit industrialisée. Moins jeune et de vie moins pleine, de sa vie l'on a su qu'existait vraiment la peine et que la misère était bien dans nos rues. Moins jeune et de vie moins pleine, de sa vie l'on a su qu'existait vraiment la peine au recoin de nos rues. En passant, je la vis et je m'approchais d'elle, lui demandant le prix du forfait de son corps. Mais c'est là qu'elle me fit et me rendit fou d'elle, une réponse qui valait son pesant d'or, jugeant mon attitude un peu trop assurée face à l'inexpérience dont je dégoulinais. Elle lorgna d'abord mon allure débraillée, puis sans faire de détour se mit à me railler. Elle me dit: tu n'es qu'un jeune et sot garnement, je pourrais être trois fois celle qui te fait office de maman. Rentre donc un peu chez elle et tu reviendras grand, quand la petite hirondelle reverra le printemps. Retournant chez ma mère, je revins au beau jour quand s'est enfui l'hiver et que le bourgeon sort. Mais à la place où je l'avais trouvée la veille, elle n'avait laissé que le vide et la mort. Or, inspectant les lieux avec circonspection, je ne trouvais pas trace de l'objet de passion. Je fus un peu plus tard contraint de m'aviser que tendre créature s'était virtualisée. Me retrouvant ainsi seul, il ne me restait plus qu'à prendre la plume et coucher la douleur de n'avoir jamais pu aimer pour une seconde, un tout petit moment, celle qu'à présent j'appelle la femme aux mille amants. En des temps où la vie fêtera le bonheur, c'est-à-dire en des temps que l'on attend encore, il y vivra des filles, des charmes et des fleurs, et la fraîcheur de l'aube qui viendra d'éclore. Il y vivra des hommes, de l'amour, de l'argent, il y vivra des femmes qui donnent des chants qu'on chante encore sans se lasser vraiment. Et celui de la femme ayant eu mille amants. En des temps où la vie fêtera le bonheur, c'est-à-dire en des temps que l'on attend encore, il y vivra des filles,
des charmes et des fleurs et la fraîcheur de l'aube qui viendra d'éclore. Il y vivra des hommes, de l'amour, de l'argent. Il y vivra des femmes qui donnent des chants qu'on chante encore sans se lasser vraiment. Et celui de la femme ayant eu mille amants.